Ce site représente plein de chats qui courent. Regardez celui-là comme il est beau. Bah imaginez-le courir après le curseur de la souris dans votre page web. Et bien c'est l'effet que nous allons tenter de faire aujourd'hui en 40 minutes. C'est un effet qui nous vient d'un de mes lointains souvenirs de quand j'étais gamin. Mon père avait un des tout premiers Mac à la maison et l'économiseur d'écran, c'était justement ça, un chat qui courait après la souris. Et moi en tant que Benjamino Nino Garcia Loco, je regardais ça et je me chiais dessus parce qu'à cette époque, c'est tout ce que je savais faire. Me chier dans mes couches. Est-ce qu'on va réussir à faire ce challenge en 40 minutes? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais je préfère vous prévenir tout de suite, pour y arriver, il faut beaucoup de talent. Et ça tombe bien parce que cette vidéo est sponsorisée par talent.io. Et talent.io, si vous êtes dans la tech, vous pouvez vous y inscrire pour trouver du taf. Et pour t'aider à trouver du taf, ils ont ce qu'ils appellent en plus le Talent Club. Le Talent Club, c'est une communauté tech créée par talent.io. Et quand vous êtes partie de cette communauté, vous avez accès à plein de contenus exclusifs qui vous permet de trouver du taf beaucoup plus facilement, beaucoup plus efficacement et de vous tenir informé de plein de choses qui se passent dans le monde du travail de la tech. Par exemple, tous les 15 jours, vous recevez des conseils d'experts et d'expertes de boîtes comme Google, Deezer ou Sorare directement dans votre boîte mail. La plupart du temps, ce sera sous forme d'articles avec des sujets variés comme comment devenir VP of Engineering, comment passer de dev au produit, comment obtenir une augmentation, quelles sont les choses à savoir quand on est le premier dev d'une startup, etc. Bref, l'objectif de cet article, c'est de vous inspirer dans votre propre carrière et vous aider à faire des choix éclairés. Dans le Talent Club, vous trouverez aussi des insights sur le marché de la tech en Europe, avec notamment les études sur les salaires européens, dont j'ai eu le loisir de vous parler dans une précédente vidéo. Le Talent Club rassemble aujourd'hui plus de 40 000 personnes et avec des contributeurs tels que Cassidy Williams, Romain Guy, Head of Engineering chez Google et d'autres. Et le meilleur en tout ça, c'est que participer à ce club, c'est gratuit. Donc je vous mets le lien dans la description et je vous laisse aller y faire un tour. Maintenant mes amis, on a un chat à coder. Bon allez, c'est le moment de commencer le projet. Vous remarquerez que j'ai rajouté ce coup-ci une espèce de speed timer là, comme chez les streamers. Je trouve ça hyper drôle d'avoir ramené ça dans le domaine du code. Et du coup, ce qui est assez cool, c'est que vous pouvez voir les différentes étapes. Ça permet un peu de voir comment est structuré le projet, comment est structurée ma réflexion. Et ça permet bien entendu aussi de compter le temps de la plus stylée des manières. Donc les amis, c'est parti. 3, 2, 1, go. Le stream est lancé. Ok, le premier truc qu'on va faire du coup, c'est que le chat, on a choisi celui-là, et c'est un chat qui vient de Lottie. Et Lottie, c'est un truc qui permet de gérer en fait des SVG animés en gros. Voilà, nous ce qu'on a fait, c'était npm install Lottie web en gros. Il faut aussi que je lui passe le chat qui est ici, et le chat, ça va être l'URL. Donc là, en théorie, si je lance le projet yarn start, il n'y a rien qui s'affiche, mais je crois que c'est parce que j'ai pas sauvegardé. Voilà, et là si je sauvegarde, voilà, le chat s'affiche, c'est cool. Alors hop, afficher le chat à l'écran, c'est fait. On peut passer au split suivant. Le split suivant, c'est position du chat qui suit la position de la souris. Tac, voilà. Donc là, on a notre chat qui est là. Tout va bien. On va changer la couleur du background tant qu'on y est. Bleu. Allez, on va lui mettre ce bleu là. Bleu, turquoise, ambroise, falafel. Aucune idée de comment s'appelle ce bleu. Oh, mais la porte est ouverte, c'est moche. Pas vrai. Oui, je suis en complet, complet velours marron. Ça arrive. Quelle élégance. Bon, on va laisser Ben se concentrer un peu, donc la voix off prend le relais. Ici, comme vous pouvez le voir sur le time splitter, on tente de lier la position de la souris à notre div qui contient le chat. Comme d'habitude, on va mettre un event listener sur le document qui va traquer les mouvements de la souris et on s'assure qu'on récupère bien l'info en les printant dans la console. Très important de toujours vérifier chaque petit tronçon de code que vous faites. Ça vous évite de partir en mode kamikaze et d'arriver à la fin avec votre programme buggé sans avoir la moindre idée d'où ça vient. Plus vous ferez de petits checks atomiques, plus vous avancerez pérennement. Ici, on voit bien que les mouvements de la souris sont bien traqués. Voilà, bien les bonnes choses dedans, on est content. Ensuite, on fait une request animation frame. C'est une fonction qui va s'exécuter toutes les frames de votre écran. Si votre écran est en 60 fps, ça s'exécutera 60 fois par seconde. Si vous êtes sur les nouveaux MacBook M1 avec leur écran ProMotion, ça sera 120 fois par seconde. Ça commence à faire beaucoup d'exécutions par seconde, donc ne mettez jamais de lourdes opérations dans ce genre de fonction au risque de faire s'envoler votre ordi. Faire suivre la souris par le chat, ça ressemble très fortement à ce genre de curseur qui suit la souris qu'on a déjà codé mille et une fois sur cette chaîne. C'est une petite fonction lerp qui est une interpolation linéaire entre deux valeurs et on applique ça sur le transform du chat. Et là déjà on devrait voir des trucs se passer. Alors ça se passe bien, mais on se rend compte que la position est faite par rapport au coin haut supérieur du chat. Et oui, l'origine du chat est dans le coin haut gauche, et nous, on aimerait que ça soit plutôt au niveau de la tête du chat. D'habitude, on travaille avec des formes plutôt simples à gérer. Un cercle par exemple. Là, le chat, il est un peu plus chiant. Il est rectangulaire et il a une direction. Pas impossible à gérer, mais ça va créer quelques problèmes que j'avais pas du tout anticipé par la suite, et ça va me foutre relativement dans la merde jusqu'au cou. Mais pour l'instant, inutile d'effrayer le Ben du présent, il n'est pas au courant de la triste destinée qui l'attend. Là, le chat a l'air de suivre la souris comme il se doit. Alors,
c'est pas ouf parce que quand la souris passe de l'autre côté, le chat il fait marche arrière. Donc il faudrait qu'il se retourne à ce moment-là. Mais ça, on verra ça un petit peu plus tard. Donc là, position du chat qui suit la souris, on est bon. Rajouter un ease effect. Ah ben, on l'a fait d'une pierre deux coups. Cool, deux pierres deux coups. Orientation du chat. Alors là, en fait, quand on a la souris qui est vers le bas, on aimerait bien que le chat plonge vers le bas et quand la souris vers le haut, que le chat aille vers le haut. Il est temps de passer à la partie qui peut casser le crâne si vos notions de géométrie du lycée sont un peu rouillées. On va passer à un calcul d'angle, donc de la trigonométrie. Dans mon cas, ça va, car mes souvenirs ont été rafraîchis pas mal de fois depuis que je fais des projets en 3JS, mais quand vous n'en avez pas fait depuis très longtemps, vous êtes bien heureux d'avoir Wikipédia pour vous faire des petites piqûres de rappel. Ah. Pourquoi il est toujours de biais comme ça, ce cave? Ah, parce que pareil, encore une fois, nous, c'est la tête qui compte, c'est pas le cul, là, en fait, donc. Il faut qu'on rajoute plus 4x8. Et là, faire plus 4x8, 2x8. Bon, même si ma théorie est bonne, à cause de ce transfert d'origine du chat qui n'est pas vraiment en haut à gauche, mais plutôt au milieu à droite, ça me fout toute traviole et me fait des nœuds dans le cerveau. Il me faut donc m'y reprendre à plusieurs reprises pour en arriver au bon calcul d'angle. Preuve en est l'ivresse de mon chat à quelques moments. Non, il y a un truc qui me délinge. Je viens de capter qu'ici, ni le coin supérieur gauche, ni le point au niveau de la tête n'était le bon point pour calculer l'angle. En effet, un transform rotate, par défaut, ça s'applique au centre de l'objet. Il faut donc que je fasse mon calcul d'angle entre la souris et le centre de l'objet. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, un truc me paraissait off, mais j'arrivais pas à dire quoi. Parce que l'angle de rotation, pour le coup, du transform, il est au centre de l'objet. Eh oui, il est au centre de l'objet. Voilà. Là, c'est carrément plus... Mais oui, là, c'est gay bien, là. Olé ! Trop cool. Youp, youp. Bon, par contre, c'est pourri quand on passe là-bas. Mais là, putain, le chat, il suit stylé, c'est cool. Donc, orientation du chat, c'est fait. Boum. Qu'est-ce qu'on avait prévu? On avait prévu que le chat, quand il arrive en fin de course, comme ça, il disparaît. Et qu'il réapparaisse quand on rebouge la souris, en fait. On va calculer la distance entre la tête du chat et le pointeur. Et quand la distance est inférieure à une certaine donnée, on réduit l'opacité. Ah là là, les calculs de distance. On en a tellement fait à l'école, mais j'avoue que c'est plus rapide à écrire avec un stylo qu'en programmation. Pareil ici, ce qui me fume le cerveau, c'est encore ces changements d'origine, car là, je veux calculer la distance entre la souris et la tête du chat. Mais je finis par y arriver. Et encore une fois, j'écris une ligne complexe, et je m'assure tout de suite qu'elle fait ce que j'attends d'elle en printant le résultat dans la console. Je crois que c'est un truc comme ça. Vas-y, on va voir, on va loguer la distance pour voir ce qu'il en est. Ouais, arrivé en fin de course comme ça, hop, on a bien la distance qui devient de plus en plus petite, qui s'approche de zéro, donc ça m'a l'air très bien cette histoire. Fabuloso, fabuloso, les choses se passent. 20 minutes, ok. Ensuite, avec une petite combine sur l'opacité, j'arrive à utiliser la valeur calculée pour obtenir exactement l'effet que je voulais. Ouais, c'est pas mal. Ok, c'est très cool, ça marche plutôt bien, je suis content, c'est un peu ce que je voulais. Donc, fade in, fade out, on bouge, et alors maintenant la symétrie du chat. Il reste un peu moins de 20 minutes pour faire la dernière partie sur la symétrie du chat. À ce moment-là, dans ma tête, je suis comme un conquérant, en mode tranquille. Je vais lui rouler dessus à ce challenge. Aïe, si seulement j'avais capté que ces changements d'origine permanents, plus une symétrie horizontale, allaient me foutre dans une merde pareille, je me serais peut-être pas senti tiré d'affaires si vite. Mais enfin, chaque chose en son temps, checkons les premiers pas. L'idée est simple, quand le centre du chat est sur la droite de la souris, c'est qu'on va sur la gauche. Donc il faut faire changer de direction avec une symétrie horizontale, donc avec un scale x moins 1. Oh bordel. Oh non, ça inverse tout. Attends, parce que moi c'est scale x que je veux déjà pour commencer. Donc alors attends, style... en fait c'est pas ça, ouais, c'est ça. Hop. Hop, et c'est là que je veux mettre un petit scale x. Ouais, parce que là, ça me le faisait sur tout, quoi. Malade, lui. Complètement ch'tarbe. Ce que je viens de voir, là, ne m'a pas du tout rassuré que le flip, ça inversait tout. J'ai très peur. Alors, attends, ça se comporte carrément bien, sauf que... Vous voyez, c'est chaud. Presque 10 minutes cramées sur cette feature, et ça a pas l'air d'avancer dans la bonne direction. Laissez-moi vous confirmer une chose. Il commence à faire très chaud dans mon dos.
Et quand il y a le chrono qui tourne et que les complications commencent à s'accumuler comme ça, c'est là où vraiment faut avoir des nerfs d'acier. Et ça, il n'y a rien de mieux qui m'aide à les avoir qu'un peu de soutien de votre part. Si vous aimez ce concept, pensez à vous abonner car j'en fais un par mois. Je vois dans les stats qu'il y a pas mal de personnes qui regardent mes challenges sans s'abonner. C'est dommage car vous manquerez potentiellement le prochain. Puis j'avoue, ça me ferait plaisir aussi. Et ça me ferait penser vite fait à autre chose que ce con de chat qui commence à me gonfler à courir sur le dos. Oh putain, les emmerdes commencent. Donc là c'est bien, mais par contre quand je passe de l'autre côté, il devient trop con. Ah, non, dans ce cas, x0 dans le cas de Flip It. Oh, les amis. Bon, c'est mieux. Mais il y a toujours ce jump bizarre quand il change de côté. Par contre, c'est dommage. Et c'est là, mes amis, que je vais cramer tout le temps que j'avais prévu de passer ailleurs. Pourquoi il se téléporte, là, il se fait un déplacement instantané, là, comme un gogol. Tic-tac, tic-tac. Et oui, la pression du timer. C'est dommage car dans une partie bonus, j'avais prévu un effet trop cool car avec l'outil, à l'inverse d'un simple gif, vous pouvez gérer la vitesse de l'animation. Et je voulais faire en sorte que plus l'écart entre le curseur et le chat est grand, plus l'animation du chat qui court va vite. Et plus on s'approche du curseur, plus l'animation ralentit pour faire genre que le chat s'approche délicatement. Avec mon cerveau en miettes et le timer qui file, on peut dire adieu à cet effet. Mais vous, vous pouvez peut-être le faire de votre côté et m'envoyer ça sur Twitter si vous y arrivez. Oh aïe aïe aïe, j'ai chaud là, mortadelle. En attendant, le temps passe et il n'y a toujours pas de solution qui s'enclenche dans ma tête. Regardez-moi ça. J'ai même pas une piste. Bon allez, je vous laisse découvrir l'issue de ce challenge en direct avec Benjamin Code. Le temps passe à une vitesse de ouf maintenant et genre la solution ne m'apparaît pas du tout. Là j'ai le cerveau qui commence à... Les rouages sont écartés comme ça et plus le temps passe vite, plus je me perds dans mes réflexions, plus je vois rien, là. Je vois plus rien. J'aurais besoin de faire un petit tour dehors, mais ça marche pas. Donc alors, attends, vas-y. Il me reste 5 minutes, 4 minutes 30 là, c'est très peu. Putain, allez. Est-ce que ce serait pas par rapport au LERP là, ici, qu'il faudrait que je fasse ça mieux, que j'inclue directement... On va enlever tout ça d'ici. Allez, on fait le test. On va dupliquer ça, on va l'inclure au LERP, le scale, enfin le déplacement. Comme ça, ça sautera moins dans tous les sens. Vas-y, voyons voir. Plus... width ici. Au moins width. Ok. Et attends, vas-y. Ah, attends. Eh oh. Eh oh. Gargantua. Tac, tac. Oh putain, on y est là, on y est. Vas-y, on y est presque. Je crois. Fois. Alors, plus. Multiplié par moins 1. 1. Boum. Arrête d'être bête comme ça. Ah, 1, 0. D'un côté c'est bon, vas-y, et de l'autre. De l'autre c'est moins 1 je crois. Oui. I loved you my baby, I loved you more. I loved you my honey, I loved you more. I loved you. Et vas-y maintenant avec juste là. Là, il s'arrête dans ce sens, c'est cool. Et dans l'autre ? Dans l'autre, il n'y a rien à foutre. Bon, ça, j'aurais pas le temps de le régler. Enfin, si, attends, il doit pas rester grand-chose, là. Rends-moi l'écran. Distance, c'est sur le calcul de la distance. Ben ouais, ça va être même délire, en fait. Même saucisse, ici. Sauf que... vas-y, tac. Plus. Tac, ça fout c'est merde, je crois. Vas-y. Ah. Non. Moins 1. 0. Pit. Non. Ah putain. Le timer est fini, les amis. Non, je suis deg. Attends, bon attendez, j'essaie juste de le finir ici, rapidos. Flip it, c'est ok. Donc 1, ça marche. J'ai oublié de mettre le 8, attendez. Width, voilà. Il faut que je multiplie par ça. Attendez, c'est bon. I love you. Ok, bon, allez, allez, 41 minutes au final. Oh, aïe, que c'était dur. Je suis quand même content du résultat final. Ça me fait plaisir d'avoir réussi à reproduire cet effet de quand j'étais gamin, quand même, c'est assez touchant. Refaites-le de votre côté, comme d'hab, essayez de régler ce dernier petit glitch, là, quand ça fait la symétrie comme ça, et envoyez-moi la solution que vous trouvez sur Twitter. J'espère que ça va le faire pour vous. C'était trop cool, ce challenge, je suis trop content. Merci à tous, c'était Benjamin Code, ciao.